Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure à Akala, une région exceptionnelle, n'est-ce pas? Et bien évidemment, nous devons aller détruire ces camps en haut. Voilà, nous avons quelques petites textures buggées ici. Très bien. Rien. Rien. Rien aussi. Ouais, y'a que dalle aussi. C'est pas normal qu'il y ait rien. On se rapproche de notre objectif. Ah oui, on se rapproche aussi d'un gardien. C'est normal qu'il y ait un gardien ici déjà. Je m'en souviens plus. Non, 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 je confirme, il n'y a pas de gardien ici d'habitude. Pitié, mais pourquoi il y a des mods qui rajoutent des gardiens en plein milieu de nulle part? Ça prend la tête. Bazinga! Bazinga! Wow! Eh ben, c'est pas très efficace cette arme. What? Attendez, mais pourquoi mon arme elle est comme ça? Alors attendez, il s'est passé trop de choses bizarres. Pourquoi le gardien disait Bazinga? Ça c'est la première chose, et la deuxième chose... J'avais une arme modée en fait. La lance archéonique est modée. Si ce n'est qu'elle est stylée, évidemment, mais... Mais bon, c'est pas comme si je pouvais attaquer avec l'autre bout de la lance. C'est un peu bizarre. Bah du coup, on a rencontré le premier gardien Bazinga. Impossible de savoir ce qu'il différencie des autres en plus, hein. C'était vraiment un gardien Bazinga tout basique. What? Pourquoi y a un... Y a un squelette bizarre? J'ai jamais vu ça ici. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est très très bizarre. Bon bah c'est parti pour amener cette bouboule là-bas, hein. Je crois que j'ai une idée, j'ai jamais essayé ça mais... On sait jamais, ça peut peut-être marcher. Ah bah oui hein. Parce que moi je vais pas faire le tour hein, c'est mort. What? J'ai perdu ma boule. Ah si, elle est là. Enfin, ah non, elle est là, je veux dire. Aïe.
Aïe. Oh, la lune de Majora. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'était ce genre de sanctuaire. Non. Bah du coup on peut continuer et on va repartir sur la côte. On va y aller à pied évidemment. Alors déjà premièrement, il y a un gardien à côté du relais, et ensuite ce gardien est magnifique! C'est une grosse blague? Tu me vois pas? Allô? Allô? Wow! D'accord, ok, ok, j'ai compris quelque chose. Je confirme que les épées royales sont indestructibles. Je viens d'attaquer un gardien, elle ne s'est pas brisée, elle est toujours intacte, car on a la petite étoile en haut à droite de l'icône de l'arme qui indique qu'elle est intacte. Ces armes sont donc OP. Bon, par contre, les gardiens verts, je m'attendais pas, hein. Il y a combien de gardiens dans ce jeu-là? Les gardiens rouges, les gardiens bleus, les gardiens verts, les gardiens oranges. À quand le gardien multicolore, hein? Moi, je vous le dis, hein. J'attends le gardien multicolore. Donc nous voici dans un nouveau sanctuaire. Il est modé parce que de base ça doit être une genre un sanctuaire avec des énigmes de gyroscope. Bah même, le gyroscope c'est pas que c'est mauvais, c'est que j'ai déjà fait tous les sanctuaires du jeu une fois. Maintenant j'ai envie d'avoir des nouveaux sanctuaires, donc c'est pas si mal ce genre de truc. Par contre j'ai pas réussi à remettre la musique de Wind Waker. Rip à elle, cette belle musique. Ah, ah, ah! Aïe, 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 aïe! Ah non, mais c'est bien gentil les tapis roulants, mais en fait, c'est nul. Aïe! Holy Mother Jesus. Aïe, 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 aïe. Voilà, y va mon frère. C'est quoi cette arnaque? Oh la vache, mais c'est horrible. Je préfère même le sanctuaire de gyroscope, hein, pour tout vous dire. Là, c'est juste horrible, hein.
Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Est-ce que je suis bête? Oh my god. Ah là, c'est déjà plus intéressant. Bon. Bon, on fait les grands sauts. Ça marche pas non plus. Voilà, comme ça qu'il faut faire. Enfin! Ah, ça c'est bien. Ça c'est une bonne arme. Bon, maintenant, ça... on va essayer un truc, genre... Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire, mais... Il faut avoir le timing. Voilà! Oh my god, un truc nul, j'y crois pas. J'y crois pas qu'ils ont donné un truc nul comme ça. Ah mince! Bon, au moins on a le coffre, c'est bon. Il est bizarre ce sanctuaire, mais il est cool. Et nous voici arrivés, et qu'est-ce que je vois? Le gardien, il a déjà respawn? Mais c'est pas normal, il est censé respawn avec une lune de sang, non? Non mais Jean-Michel, j'ai envie de l'affronter en tête à tête, ce gardien là. Allô? Allô? Ah bah voilà. Aïe. Aïe. Ça s'est pas du tout passé comme je l'avais prévu. Bazinga. Oh. Ok, alors il y a un petit problème, c'est que les gardiens, ils ont un signal d'amorce, c'est-à-dire avant de tirer, ils font un petit bruit. Un petit bruit qui fait genre tchion ou un truc comme ça. Mais maintenant que le Bazinga est présent dans le jeu, c'est impossible. Bazinga. 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 Bazinga! 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 Wow! Bazinga! 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 Mais c'est n'importe quoi! C'est galère à renvoyer les rayons. Parce que j'ai plus le petit bruit avant qu'il tire. Il fait vraiment un bazinga. C'est tellement bizarre. Par contre, on peut parler de mon bouclier qui s'est pas cassé. Ah d'accord, c'est un bouclier indestructible lui aussi. Oh là 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 là. Pourquoi j'ai des armes comme ça moi? Mais mes armes sont pas indestructibles. C'est vraiment certaines épées, certains boucliers, certains arcs. C'est des armes modées aussi. Ah ok, ok. C'est pas mal. Bon, qu'est-ce qu'il vend lui? What? Mais pourquoi il vend des armes de Linel? Wow, wow, wow. Il vend des armes de Linel. J'y crois pas, c'est une grosse blague. Waouh, waouh, waouh. Et bien merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un like si vous avez aimé et partagez votre avis dans les commentaires sur les nouveaux gardiens avec ces nouvelles couleurs incroyables. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!